Et salut, aujourd'hui je vais faire ma deuxième fois en kayak avec le club du canoë kayak d'Annemasse Mont Blanc. Je vous mets l'information en description juste en bas. On va voir ce que ça donne. A plus. Comment elle est l'eau? Fais voir un peu. Oh, ça elle est bonne. Bon, en vrai elle est un peu froide. Mais bon. Pour monter c'est pareil que... Ouais, c'est pareil, donc tu t'assois et tu cales les genoux derrière les sangles en fait. Derrière les sangles. Donc là tu vas voir la différence, Ah oui, d'accord. La différence avec la piscine c'est que t'as un courant. Bien sûr. Et donc tu vas voir, dès que tu vas te mettre dans le courant, ça va te déstabiliser. Ok. En fait ce qu'il faut dire c'est que sur le courant, le courant il va essayer de monter sur ton kayak, okay, pour retourner le kayak. Mmh. Si tu fais rien, le courant il monte sur le kayak, ça te retourne. D'accord. Donc pour ça, il faut que tu augmentes la hauteur du kayak. Donc quand tu rentres dans un courant, il faut que tu essaies de pencher un peu vers le bas de la rivière. Okay. D'accord. Ça, tu montes tes fesses au courant et le courant il passe sur le kayak. D'accord, ok. Ce qu'on appelle la gîte. Si tu regardes un peu les bateaux navigués, tu vas voir, ils vont tous pencher dans le courant, etc. Ok. Ouais. C'est ce but là. Et après, deuxième autre chose, tu vas voir, donc le même principe, quand tu vas arriver, tu vas être dans des courants, tu risques des fois d'aller vers des rochers. Et donc pareil, le rocher qui est comme ça, ton kayak est là, et là le courant il s'alasse, il a plus de vivre à. Donc là c'est pareil, c'est la même logique, si on essaie de se pencher vers le rocher, le courant passe en dessous pour pouvoir se dégager. Ok. J'ai beaucoup d'infos, mais tu vas voir. Ouais, pas de soucis. Stop, Opi, stop. Allez, paquet. Allez, viens vers là. Et là, après, tu t'accroches. Et on attend Elodie. On est parti. Là, c'est le dernier rapide. Donc sur la droite, hein, c'est ça? Ok.